Honorables invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis de la presse, bonjour. Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir pris de votre temps pour nous témoigner votre soutien à travers votre présence massive à cette conférence de presse. L'événement qui nous réunit ce jour est le 5e SEMICA, Salon international de l'énergie, des mines et des carrières, qui se tiendra comme prévu du 26 au 28 mai 2016 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il s'agit pour nous aujourd'hui de vous faire le point de l'état d'avancement de l'organisation à quelques semaines de cet important rendez-vous annuel des professionnels de l'énergie, des mines et des carrières. Le SEMICA, il faut le rappeler, est un cadre d'échange qui rassemble chaque année depuis 2012 l'ensemble des acteurs mondiaux des filières énergie, mines et carrières pour promouvoir leurs produits et nouer des partenariats fructueux. Il est le lieu où le continent africain se vend le mieux aux investisseurs. Convaincu que l'avenir et le développement de l'Afrique incombent d'abord à ses filles et à ses fils, le SEMICA se fait fort de toujours montrer au reste du monde une Afrique riche de ses ressources humaines et naturelles. Une Afrique qui marche, une Afrique qui gagne, une Afrique qui sait où elle veut aller. C'est notre combat depuis 5 ans maintenant de tenir aux standards internationaux une manifestation professionnelle hautement technique qui réunit à la fois les gouvernants, les investisseurs nationaux et internationaux, les acteurs privés et la société civile afin de dessiner ensemble une vision commune du développement de notre continent. Cette plateforme est aujourd'hui une réalité reconnue par nos autorités au plus haut niveau, notamment par le ministre de l'énergie, des mines et des carrières, qui, à sa dernière conférence de presse en date du jeudi 10 mars, disait, et je le cite, « Je voudrais rappeler que le SEMICA est la plateforme unique dans notre pays pour des échanges et réflexions à la fois sur les questions minières et énergétiques, avec une fenêtre sur le sous-secteur des carrières. » Fin de citation. C'est parce que nous croyons fermement en un avenir radieux de l'Afrique et des Africains que les velléités de toujours présenter l'Afrique et sa jeunesse de manière miséreuse, paresseuse, inconsciente, irresponsable, dépourvue de tout talent et de toute vision lointaine et encore moins les difficultés de tous autres ne sauraient nous ébranler. Le SEMICA a une vision très claire de ce que pourrait et devrait être l'Afrique, pour peu que ses filles et ses fils se donnent en toute honnêteté et en toute sincérité la main pour construire notre continent. C'est le lieu pour nous de rappeler que le SEMICA, au regard du rôle important qu'il joue dans la promotion des secteurs de l'énergie, des mines et des carrières en Afrique, est aujourd'hui un label sollicité au-delà même des frontières du Burkina Faso. Vous trouverez dans vos dossiers de presse copie d'invitation d'un gouvernement africain qui sollicite la tenue du SEMICA dans son pays pour booster ses secteurs énergie, mines et carrières. C'est pour vous dire simplement que nous sommes approchés depuis longtemps par des gouvernements africains pour accueillir définitivement et indéfiniment le SEMICA. Nous croyons que le Burkina Faso mérite d'être cité également en exemple de réussite sur le plan continental. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, sous le thème transition énergétique et RSE dans les entreprises minières en Afrique, le 5e SEMICA se tiendra du jeudi 26 au samedi 28 mai 2016 sous le patronage de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement du Burkina Faso, Monsieur Paul Kaba-Tiéba, que nous remercions au passage, et sous le parrainage de Monsieur Benoît Lassalle, président de Wendiga Energy, qui est une entreprise canadienne qui construit actuellement la première centrale solaire du Burkina Faso. Vous trouverez également dans vos dossiers de presse copie des courriers de ces deux personnalités. Quant au parrainage du SEMICA 2016 par le ministère de l'énergie, des mines et des carrières du Burkina Faso, notre courrier en date du 13 janvier 2016 attend toujours réponse. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, 3 jours durant, du 26 au 28 mai 2016, en présence de hautes personnalités, dont son Excellence Monsieur le Premier ministre du Burkina Faso, des ministres, des ambassadeurs, de hauts responsables d'entreprise, des consultants et experts internationaux, des investisseurs, des compagnies nationales et internationales, des institutions de financement, etc.
Le SEMICA connaîtra des conférences thématiques de haut niveau, des rencontres d'affaires, des événements de networking et des expositions au Centre international de conférences de Ouagadougou. Bien sûr, notre programme étudiant, que nous avons institué depuis 3 ans maintenant, pour permettre à notre jeunesse étudiantine de toucher du doigt les réalités du monde professionnel et pouvoir bénéficier de conseils et avis de leurs aînés, sera reconduit cette année. À ce sujet, j'aimerais annoncer que nous souhaitons externaliser l'organisation de ce programme. Je parle du programme étudiant du SEMICA. Afin de pouvoir y mettre plus de contenu pédagogique et pratique au bénéfice de nos étudiants, en plus de leur pleine participation aux activités du SEMICA. À ce niveau, je lance un appel aux instituts de formation et aux grandes écoles de rentrer en contact avec nous pour ceux qui le souhaitent, afin que l'on puisse ensemble travailler le contenu du programme étudiant du SEMICA. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, alors que l'organisation du SEMICA s'activait pour les derniers réglages de la manifestation qui est aujourd'hui à un taux d'exécution d'environ 80%, nous avons été surpris d'apprendre par voie de presse une certaine fusion du SEMICA avec une autre manifestation organisée par le ministère en charge des mines. Le développement du Burkina Faso incombe à l'ensemble de tous les Burkinabés et a besoin des efforts conjugués de toutes ses filles et de tous ses fils. Le SEMICA, ou encore tous ceux qui ont cru à cette manifestation au moment où peu de gens croyaient en l'initiative de jeunes Burkinabés, issus de milieux pauvres ou modestes, et dont les parents n'étaient pas, comme on dit couramment, de grands types, ne sauraient se soustraire à une idée de synergie d'action allant dans le sens de contribuer à l'essor des secteurs de l'énergie des mines et des carrières en Afrique et au Burkina Faso. Toutefois, vous conviendrez avec nous que tout mariage se discute au préalable entre les parties prenantes, avant annonce publique. Toute fusion d'entités distinctes également nécessite un minimum de respect des règles en la matière. Nous restons convaincus que si les autorités burkinabées souhaitent que le pays accueille une seule et grande manifestation internationale, l'alternative viable à ce jour consiste dans un partenariat public-privé. Le SEMICA n'hésitera pas à apporter son expertise au succès d'une telle initiative. Le SEMICA est déjà un label connu, reconnu, apprécié, respecté et crédible sur le plan international et national. Nul doute que ces atouts seront un apport appréciable dans cette dynamique. Nous profitons donc de vos canaux pour rassurer nos participants et partenaires d'ici et d'ailleurs que le 5e SEMICA, Salon international de l'énergie des mines et des carrières, se tiendra du jeudi 26 au samedi 28 mai 2016 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Comme vous le savez déjà, le SEMICA est une initiative commerciale privée, imaginée, conçue par un jeune Burkinabé depuis 2012, et qui depuis ses 5 ans d'existence, n'a jamais reçu un copec de l'État burkinabé, et tient la route malgré les difficultés financières qu'il connaît. Vous vous demandez certainement pourquoi continuer à l'organiser. Nous le faisons simplement parce que nous croyons au présent et à l'avenir de l'Afrique. Si nous, jeunes Africains, ne le faisons pas, qui viendra parler de l'Afrique qui marche, de l'Afrique qui est extrêmement riche de sa jeunesse, de sa population intelligente et travailleuse, et aussi riche de ses ressources naturelles immenses que Dieu a mis sur et sous son sol? Personne ne viendra le faire à notre place. Comme le disait le philosophe, écrivain, ethno-psychologue, penseur et psychiatre français, noir français d'origine martiniquaise, mort aux États-Unis à l'âge de 36 ans, Franz Fanon, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Nous avons décidé de porter notre part, pour notre part, d'assumer notre mission, afin d'offrir aux générations futures un monde meilleur que le nôtre. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, à l'image d'autres salons professionnels internationaux, comme Indaba Mining, organisé chaque année en février par une société privée américaine avec le soutien actif des gouvernements américains et sud-africains qui se tient en Afrique du Sud chaque année au mois de février, ou le PIDAC, organisé chaque année en mars par une association de droit privé avec le soutien actif
du gouvernement canadien. Le SEMICA est organisé chaque année en mai au Burkina Faso, mais sans le soutien actif du gouvernement burkinabé. Nous tenons donc à rassurer nos partenaires, l'opinion nationale et internationale, que le 5e SEMICA se tiendra du 26 au 28 mai 2016 et est prêt à les accueillir dans les meilleures conditions. Nous appelons tous ceux qui souhaitent prendre part à la manifestation à ne plus hésiter et à s'inscrire dès à présent sur notre site semica.net. Nos vifs remerciements pour finir vont à l'endroit à toutes les personnalités et à tous les partenaires qui nous font confiance et nous accompagnent pour cette 5e édition. Nos sincères remerciements à la presse nationale et internationale pour son accompagnement et les efforts multiformes qu'elle ne cesse de nous apporter pour le rayonnement du SEMICA et du Burkina Faso. Je vous remercie.